J'ai commencé par le violon moderne pendant pas mal d'années, depuis l'âge de 5 ans. Et c'est au travers de quelques rencontres, notamment de claveciniste, parce que j'ai aussi commencé le clavecin à l'âge de 18 ans, que j'ai découvert un peu la musique baroque, musique ancienne, et donc le violon baroque. Et que j'ai donc commencé avec Guillaume Robinguet au Conservatoire de Bordeaux. Et ensuite, j'ai fini mes études au CNSM, au Conservatoire National Supérieur de Lyon, dans la classe d'Odile Edouard. Et moi, j'ai découvert la musique ancienne d'abord. J'ai chanté depuis très jeune dans les chœurs. Et dans un cours de l'histoire de la musique, j'ai découvert, pour la petite anecdote, Les Sauvages, les Indes galantes de Rameau. Et après, j'ai découvert les répertoires de musique ancienne. J'ai continué mes études à la Scuola Cantorum Basiliensis à Bâle, qui est une école spécialisée à la musique ancienne. Et après, j'ai continué mes études à l'Académie de musique en chant classique et romantique, à l'Académie de Bâle aussi. Si je peux voir une source de départ, c'est vraiment ma découverte du répertoire irlandais traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, via d'ailleurs un violoniste assez célèbre, Gilles Apape, que j'ai rencontré assez jeune, et qui a planté en fait cette petite graine de musique irlandaise en moi et qui a mis du temps à comment dire, à croître, et qui a en fait a dans ma vie de musicien, était toujours en parallèle, c'est-à-dire que par rapport à la formation donc, que je viens de vous expliquer, j'ai toujours continué la musique irlandaise, donc dans des pubs, à travers quelques groupes par-ci par-là que j'ai montés. Et c'est en fait au cours de mes études au CNSM de Lyon que l'idée d'une recherche, parce qu'on doit faire une recherche de musicologique pour finir le conservatoire, et je me suis dit, tiens, ces deux chemins parallèles de ma vie musicale, pourquoi ne pas voir s'il y a pas, si on ne peut pas les rejoindre finalement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches et que j'ai vu qu'en fait, oui, il y avait même plus qu'un chemin et qu'il y avait carrément un répertoire qui existait, ancien donc, et irlandais, écossais. Donc voilà, j'ai fait ma recherche là-dessus. Je suis parti en Erasmus à Dublin pendant 1 an pour continuer, enfin pour vraiment approfondir mes recherches, faire des rencontres aussi et comprendre un petit peu plus ce répertoire. Et en fait, je vous raconte tout ça, mais à ce moment-là, j'ai pas du tout l'envie de faire un groupe. Enfin, ça me traverse pas l'esprit. Et c'est en finissant mes études puisque j'ai joué donc quand même ce répertoire-là pour mon examen final. Et en fait, j'ai tellement aimé ça. Et en plus, c'était quasiment la totalité des musiciens qui étaient à mon examen qui se sont retrouvés dans mon groupe. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et parce que ça nous plaît vachement, qu'il y a aussi sûrement un intérêt du public pour un répertoire peu connu mais facile d'accès. Voilà, on s'est lancé là-dedans comme ça. Et maintenant, ça fait 6 ans du coup. Et pour moi, c'était grâce à Alix, bien sûr. Je n'ai pas eu connaissance de ce répertoire avant. Mais vu que j'étais toujours attirée et curieuse par les musiques peu connues, et la joie qu'on a tant que chanteur par cette musique, c'est quand même quelque chose, on peut pas s'en lâcher. À chaque fois que j'entends les premières notes des instruments qui viennent, même si je suis fatiguée, la joie est là et renouvelée. De l'instrumentarium du groupe était une donnée importante dès le départ, puisque en fait depuis 6 ans on est les mêmes musiciens et donc les mêmes instruments. En fait, chacun a une histoire un peu, on va dire une raison d'être historique différente. L'essentiel de ma source d'inspiration pour ça sont quand même vraiment ce que j'ai pu trouver sur les partitions, donc qu'on utilise. Souvent sur la première page, il notait voilà, collection d'airs irlandais pour, et là en général il y avait une liste d'instruments. Alors il y a des. C'est une sorte une source intéressante, mais qui peut avoir aussi ses limites parce que on sait qu'à ce moment-là, l'objectif c'est de vendre des partitions. Donc si on commence à dire que c'est seulement pour violon, on va vendre moins de partitions que si on dit que c'est pour hautbois, clavecin, violon, et donc. Il faut mettre les limites, mais disons qu'il y a quand même souvent les mêmes instruments qui revenaient, et particulièrement donc le violon, évidemment. La flûte traversière, qui s'appelait à cette époque-là en anglais German Flute, qui est aussi un des instruments que je retrouve le plus souvent
nommées. Il y a même des pièces qui sont spécifiquement pour flûte ou spécifiquement pour violon. Ensuite, la harpe, ben, alors là c'était très rapide, c'est l'emblème de l'Irlande, donc forcément un instrument très important et qui existe en Irlande depuis très très longtemps, notamment donc cet emblème qu'on retrouve sur les pièces de monnaie qui datent du 5e siècle et donc qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque l'harpe celtique est un dérivé en fait de toutes ces harpes-là. La viole de gambe aussi, présente dans plusieurs collections, et un instrument assez important en Angleterre, puisque c'est peut-être le pays européen d'ailleurs qui a gardé l'utilisation de la viole le plus longtemps. Et enfin le sistre. Alors lui, c'est un peu particulier, puisque en réalité, je n'ai pas trouvé de traces écrites de la présence de cet instrument dans ce répertoire très spécifique, mais c'était un instrument très utilisé dans ces pays-là, notamment pour accompagner le chant. Je pense que j'ai vu des dizaines et dizaines de tableaux de femmes en train de s'accompagner avec le sistre. Et donc voilà, un instrument présent dans les maisons pour finalement de la musique déjà populaire, forcément était utilisé pour le répertoire qu'on joue. Et donc voilà, et puis le chant évidemment, des collections d'airs chantés par centaines, donc une évidence. Très rapidement, on en a aussi expérimenté que cet accès était donc aussi très facile vers les enfants, vers aussi les personnes en situation de handicap mental par exemple. Et donc ça crée un lien très rapide. C'est-à-dire qu'on peut faire passer des messages plus généraux sur la musique, la culture, ou même des fois même encore plus global que ça, beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette barrière d'expliquer, oui, alors vous voyez la partition, Mozart, etc., c'est comme si c'est. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des codes, en fait, qui peuvent des fois faire une petite barrière, en tout cas une barrière de temps, en tout cas, pour expliquer ça. Et donc, voilà, très vite, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup intéressés. Aussi parce que, étant un répertoire théoriquement de transmission orale, il se prête du coup très bien à l'interaction avec les publics et donc avec les enfants, et la pédagogie est, je dirais, est interne à ce répertoire en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait aussi beaucoup de masterclass avec des étudiants musiciens. Alors là, c'est encore autre chose, mais encore une fois, la facilité de ce répertoire permet de faire pas mal d'expériences avec les jeunes étudiants. Et puis là, donc des publics scolaires qui, je crois, sont très sensibles, parce qu'il y a quelque chose de. Voilà, on joue essentiellement des airs de danse et des chansons, donc il y a quelque chose de très entraînant qui donne un accès très rapide et qui permet. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on a échangé sur des sujets qui finalement étaient assez parallèles au répertoire, mais qui, je crois, par cette facilité, a permis d'aller un peu plus loin. Alors pour moi, le travail pédagogique est très très important parce que moi j'ai trouvé mon chemin par le biais de la pédagogie. J'étais la première chanteuse grecque qui a travaillé dans une école spécialisée de la musique ancienne. S'il n'y avait pas ce cours de l'histoire de la musique qui parlait de Rameau, à ce moment-là, je ne crois pas que j'aurais eu cette opportunité. Il y avait vraiment une fenêtre qui est ouverte. Hein. Moi, et je suis persuadée que le moment où tu montres dans la pédagogie, tu peux ouvrir des fenêtres. Alors pour moi, ce travail de corps, de la voix, peut-être ça le touche, juste, même si ça le touche même pour un instant, c'est magnifique, mais ça pourrait aussi le montrer une partie de leur chemin, hein, de l'avenir. Bright chanticleer proclaims the dawn, a spangled flag of morn. The lowing herd of winds, the Lord springs from the thorn. Dogs, huntsmen round the window throng, fleets down a leaf of glory. Arise, the bird in all their song, his day of spark must strike. Die.
Don't give me, hug, hug, hug forward, don't give me.